4 août 2020. De puissantes explosions au port de Beyrouth font basculer la ville dans le chaos. Beyrouth devient un amas de débris. Vitres de magasins essoufflées, des immeubles éventrés, des véhicules écrasés. Beyrouth s'est transformé en un champ de ruines. Et le bilan est très lourd. Au consulat du Liban à Cotonou, c'est toujours les mois, plusieurs jours après. C'est une catastrophe qu'on n'a jamais vécue au Liban, malgré la guerre civile, malgré des attaques des voisins. Donc vraiment, vous savez, c'est cité comme troisième le plus grand explosion au monde depuis Hiroshima, Tchernobyl et maintenant Beyrouth. Écoute, d'abord, les dégâts humains, c'est le plus important. Il y a eu 200 morts, 5000 blessés et 300 000 environ sans-abri. Ça, c'est le plus important. Le dégât matériel, c'est évalué énormément. C'est plus que... L'évaluation, ça va jusqu'à 30 milliards de dollars. C'est pourquoi le consul du Liban au Bénin salue la prompte réaction des pays frères et amis de sa patrie. Je tiens à remercier tous les pays qui ont été vraiment très rapides au secours. Je ne veux pas citer le pays parce que je peux oublier, mais je vois que vraiment la France était le premier a donné secours, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, l'Espagne, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. Vraiment, beaucoup de pays, ils ont répondu favorable. Et même en Afrique, il y a même la Mauritanie qui a envoyé des bateaux de poissons, vraiment c'est... Et ceux qui n'ont pas pu aider matériellement, ça suffit qu'ils étaient à notre côté moralement. Et c'est très important, ça vaut... Moi, les Béninois qu'ils ont appelés, qu'ils étaient inquiets, c'est énorme. C'est énorme. 2500 Libanais vivent au Bénin depuis des années. Ils sont présents dans tous les secteurs d'activité économique. Sous la direction de leur consul, eux aussi ont mis la main à la poche. Les Libanais sont solidaires, toujours, ont été toujours solidaires. Surtout cette génération, parce qu'on a vécu la guerre, on a vécu plusieurs événements. On était tous solidaires, à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutes les communautés libanaises dans le monde entier, ils se sont organisés en ONG, même ici. Ici, Aïda Chagouri a organisé une collecte de matériel à expédier. Et là, l'expédition va partir normalement cette semaine. Donc, Libanais et Béninois. Donc, ils sont tous répondu ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont su, quoi. Et surtout des médicaments, des masques, ce qui est de première nécessité aujourd'hui au Liban. Là, il y a une expédition qui va aller d'ici cette semaine. Le Liban, endeuillé par ces explosions qui ont dévasté le port de Beyrouth, tend toujours la main. Au Bénin, Aïda Chagouri a lancé SOS Beyrouth. Un livre d'or a été ouvert au consulat du Liban à Cotonou pendant 3 jours. Il a reçu les messages de compassion des autorités béninoises, des représentations diplomatiques accréditées au Bénin, ainsi que des personnalités et autres.